y a des inondations, donc c'est un peu le bordel. Et puis la rue devant chez moi, c'est pas le bordel, c'est carrément Beyrouth. Je vais vous montrer. Les ouvriers sont là. Et du coup, elle, on a croisé un mec du garage Renault Les Ulysses samedi dernier qui nous a dit, ben en fait, on aimerait bien la voir à la concession pour la sortie de la nouvelle R5. Et du coup, on va vous inviter à un apéro le soir, un petit repas. Et donc, comme là, ils sont en train de faire des travaux de fou, je vais la sortir. Parce que du coup, ben en fait, ça va être compliqué d'y aller ce soir. Parce qu'ils ont bouché la rue. Voilà. Quand je dis ils vont boucher la rue, c'est pas un peu, ils vont complètement la boucher. D'ailleurs, elle est bouchée. Il faut que je passe là en R5. Là, tu verras du mettre de mieux. Attends. Renault pour la sortie de la Renault 5, la nouvelle. Ouais. Oh, c'est la classe. Je vais chez Renault pour. C'est pour ça que je vous demandais parce qu'ils veulent l'exposer avec les nouvelles R5. Ouais, non. Ah voilà, ouais, donc, bah, regardez l'intérieur, il est joli, il est tout orange. Ah, rouge en plus. Elle est en boîte auto ? Ouais, c'est une boîte auto. Vous l'avez refait ? Il y a 3-4 ans, ouais. Ah ouais. Mais là, par contre, elle a 40 000 km l'intérieur. Il est, 40 000 km? Oui, l'intérieur il est. L'intérieur il est neuf. Ah, laisse tomber, tu montes dedans, tu culpabilises, c'est sûr. Ah, c'est pour ça que je mets des trucs, des machins. Ouais. Et puis, non, elle est super. Elle était géniale. Merci. Bonne journée à vous. Bah, normalement, il prête une voiture pour revenir. Vous fermez pas. Ok. Bon, bah, normalement, dans une heure. Rien qu'en sortant, tous les ouvriers m'ont parlé. Derrière, très gentil, là-bas. Ils sont tous venus me voir. Ce qui est plutôt agréable. Voilà. Donc on poursuit. Voilà. Chez Renault, c'est vraiment pour leur faire plaisir. Parce que c'est pas ce que j'ai envie de lui. Mais là, il y a des ornières partout. C'est la galère. Là, toujours pareil avec cette putain de problème de sécheresse, je vais leur laver parce que là, en 5 minutes, elle ressemble à rien. Donc je vais aller au Karcher. Je monte la route autour de chez moi. C'est le déluge. Mais bon, bref, on va se débrouiller. On y va, c'est le bonheur. Sympathique. Allez. J'ai pas pris de batterie de rechange, mais en fait, bon, en gros, avec les inondations, ils m'ont demandé de venir plus tôt. En plus, ils bouchaient ma route, ils m'ont demandé de venir plus tôt. Je me retrouve normalement avec un 16 minutes de chez moi, avec un 40 minutes de chez moi. Bon, la galère, mais bon, c'est pas grave. C'est la vie, comme dirait l'autre. Il y en a qui ont plus de problèmes que ça. Donc c'est pas très grave. Bah on avance tranquillou. Ça je pense que ouais. Je les mettrai derrière pour l'esthétisme, dans le coffre où je les ramènerai. Ce qui est plutôt bien. Voilà, j'ai le guide et tout ça, et tout ça. Ah, il y a le GPS dans la voiture, c'est la classe. Et puis voilà, on va attendre tranquillou, mais je devais passer devant un Karcher pour le nettoyer. Bah écoutez, hein, ils vont se la nettoyer tout seul. Et voilà, la vie est belle en R5. Bah, ça arrive pas, mais c'est pas grave, on s'en fout aussi. Adios. Voilà, ça rentre chez Renault. Donc la nouvelle, celle est là. Ils rentrent des rafales, a priori c'est plutôt sympa. Donc,
Hop. Petit coup de chiffon. Choupette. Bon, du coup, donc là, le gars, il va me lâcher, je pense. Un peu mal aux yeux. Elles vont les enlever. Pour fermer. Ouais. Sympa le Scénic, c'est gros. Plutôt très gros. Alors dans le Scénic, ah, on a un tout ouvrant immense. C'est très grand. Plancher plat, non, le Scénic là, comme ça. Bon, on va aller voir le chef des ventes, on va l'écouter parce que. Alors, un peu plus de 3 ans après la révélation de cette marque, la promesse est tenue. Renault a su rester fidèle avec ce modèle iconique tout en le projetant à l'avenir. Pour desserver ce modèle, je vous propose de l'explorer à travers 5 étapes. On abordera ensuite les raisons pour lesquelles la Renault 5 suscite tant d'émotions. En parlant de cette technologie notamment, et de l'esprit français qui la rend unique. Ah bon. Et pour terminer, la guerre. On attend qu'il découvre. La guerre, vous expliquera rapidement. Et vous aurez bien entendu les demandeurs, si vous avez des informations à demander, vous les retrouvez très facilement. Vous voyez, on est tous en jaune. N'hésitez pas. Voilà. Mais avant ça, je vous propose de découvrir A5. Si je peux faire appel à l'équipe pour dénoncer, on avait répété tout l'après-midi. C'est bon. Qui appelle pile poil maintenant pour son anniversaire. Elle est sympa. Hein. Qu'on fait 200 bornes. Petite GTL voilà. Clan. Voilà. Alors elle a pas l'anti-brouillard. Non, parce que c'est pas une bye bye. Mais même la Clan elle a l'anti-brouillard. La Clan elle est 89 à 92. Ah, j'ai dû la fermer. Ah merde. Elle est 89 à 92 et la bye bye elle est 93. Et c'est là qu'ils ont mis l'anti-brouillard. Non, et non. Le feu de recul. Non, moi je l'ai. Ben, ouais. C'est que quelqu'un vous a mis des options qui étaient pour. Bah, ça se vérifie. Les gadgets, électriques. Okay. Ah, elle a une plaque d'origine. Le Rubik's Cube, vous l'avez eu ? Ouais, d'accord. Ah, des gazons aussi ? C'est ça, les gazons ? Ah, elle a pas d'appui tête ? Non, non, non. Vous avez une série d'Espagne, c'est pas. Bah. Ouais, parce que c'est pas les mêmes sièges non plus, sur la nôtre. C'est une Cléon et
C'est marrant et ça. Et elle est ce qu'on appelle stock. Oh, l'odeur est marrant. C'est marrant parce que l'odeur. D'origine, peinture d'origine. L'odeur, c'est la même. Ah ouais, c'est, on sent là-dedans, c'est carré plein de coucou, hein, vous devriez le spectacle. Enlever le chiffon, c'est au ciel. On va être fermé. Ah bon. C'est comme la, comme l'autre. La balancée de la plonge de bord, comme à l'époque. Non mais il y a plein de rappels, hein. Le toit noir aussi. Le toit noir, ouais. Là, avec le gaufrage, ouais. Qui a le même. Ouais, qui a le même. Inspiré, hein. Ah non, elle est belle, hein. J'ai pas de... Comme sur la ouais, c'est magnifique. Pareil. Donc ça, effectivement, il y a le damier ici. Après, il y aura un modèle entrée de gamme à 25 000. Ouais, j'ai vu, ouais, celle-là elle est à 35. Celle-là elle est à 35, c'est ça. Oui, donc là il y a ça. Toit noir. Toit noir ici. Là il y a la gouttière. Les feux. Non, la mèche. On en rappelle les feux. À l'intérieur, mais vraiment sympa. Tant pis pour moi. On va aller voir la verre. Vu l'erreur. À 410. Ça aussi, le logo de la R5PL. Ouais.
très très sympa. Wow, la sonorisation est très forte. Le volant est magnifique. Dacia confort, personnalisation intérieure. Je sais pas si on va voir, mais monsieur va se coucher. Non, on voit rien. En chaussettes, voiture à vivre, enfin, à vivre. Plutôt voiture à dormir. Il dort, on voit pas sa tête. Il est là, il dort comme ça dans la voiture. Et là. En fait, on a tout un système de bois et voilà qui permet de faire un lit. C'est quand même du coup. C'est un camping car. On voit pas bien, mais truc max 15 kg, mais c'est quand même assez sympa. Donc là on peut mettre les affaires dans le coffre. Là on a le lit pour niquer. Là on voit rien, on ne voit rien, vraiment pas. Donc là on a le Duster camping car, on va essayer de mettre de la lumière. Voilà, je sais pas si on voit. Là ça fait une espèce de petite couchette. Là on a des appuis sur le côté comme ça, donc c'est assez sympa. Ça là, hein, mais on voit pas trop. Alors il y a l'éclairage là, donc là on a le coffre comme ça, et on peut mettre toutes les affaires ici. On peut le replier là, ici, très sympa. Donc là on referme avec des petits crochets comme ça, voilà, ici et là, hop, et ça. Hop, vous voyez là, il y a un petit taquet, on referme ici. Là, hop, et on referme. Et là, du coup, on a un lit. Non, c'est du génie. Franchement. Très sympa. Je ne peux qu'approuver. Ce volant a l'air cool sur les R5 des années 72. Beau. Et donc on voit un petit on trouve la petite personne là-bas, donc très sympa, vraiment.